Eh bien, salut tout le monde, c'est The Vinizio et on se retrouve aujourd'hui pour le 29e épisode de notre Let's Play sur Zelda Majora's Mask. J'espère que vous allez tous bien, moi je vais bien, mais si je vais bien, c'est aussi parce qu'il y a un invité. Et cet invité, vous l'avez vu il n'y a pas longtemps normalement dans l'épisode de Lego Pirates des Caraïbes qui est sorti avant, c'est Dixioz. Salut à toi Viniz. Salut à toi Dick. Non. Là, ça sonne tout de suite moins bien. Je préfère Dixioz. Ouais, moi aussi. Ça va? Ah oui, ça va bien. Bien. Très très bien. Bien. Avec ton Link. Ouais, mais deux Link, il y en a deux. Ben. Ben, ouais, Ben. Ben. C'est et donc, Ben. Non, ça n'a rien à voir. L'oncle. Ah, ça c'est pas mal, je crois que je vais appeler l'épisode comme ça. Oncle Ben. D'accord. Oh, ouais, ça va être parfait. Oh, merci, merci, franchement, merci pour le nom d'épisode. Oncle Ben. Quoi? Oh putain, mais c'est parfait! Oh, je t'aime! Oh, Oncle Ben, quoi. C'est tout con, c'est trop bien. Tu sais, ça va changer des titres habituels où je mets que le nom de la zone, tu vois, un titre sérieux et tout. Ouais. Là, ça va être l'Oncle Ben. Oh là là. Et donc, oui, on va faire le point. La dernière fois, si vous vous rappelez bien, et puis toi aussi, il va falloir peut-être un peu que je t'explique des trucs. Oui, parce que voilà. Oui, il a pas suivi du tout. Ça, c'est. On si, peut le dire. Début, mais après. Ouais, il y a genre. Il y a un an, quoi. Voilà. Ouais, c'est ça. Chut, hein, on va se taire. Pas lui dire. Oui, bah, de toute façon, maintenant, ils le savent. Bon, en tout cas, tout ça pour dire que la dernière fois, on était rentré dans le château d'Ikana, justement, on avait battu le roi et les deux débiles, là, qui arrêtaient pas de s'engueuler. Je parle de squelettes, en fait. Oui. On a battu trois squelettes bizarres. Et le roi nous avait appris le chant qui est là, l'hymne du vide, donc qui est trop bien, qui permet d'appeler des statues, dont justement celle-là de Ben. Et là, on va sortir direct du château pour continuer. Alors toi, il faut que je t'explique. Oui, vas-y, explique-moi tout. Tu sais, dans les Zelda, même si tu connais pas trop, il faut que tu fasses des donjons et tout, ça c'est oui. C'est un des trucs récurrents. Donc il y a 4 zones dans ce jeu, il y a 4 donjons en gros, vu qu'il y a 4 zones, ce qui est logique. Et là, je suis dans la dernière du jeu, qui s'appelle Ikana. Oui, j'allais te le dire. Oui, bah oui, mais de toute façon, tu sais tout. Qui s'appelle Ikana, ah, oui. Et justement, en faisant les 4 donjons, on doit libérer 4 géants qui vont servir à arrêter la lune à la fin. Mais ça. Voilà. On verra. Voilà, c'est ça. Hein. C'est voilà. Logique, hein, de toute façon. Non, mais ouais. Non, mais c'est cool. Ah, je l'avais dit hors vidéo, mais tu me croyais pas. Ouais, c'est vrai. Mais c'était à l'époque, j'étais con encore. C'est ouais. Pas permis, tu vois. C'était tout à l'heure. Ouais. tout ça pour dire que voilà, on approche de plus en plus justement bah, du dernier temple hein, qui est. Non, je vais rien dire. Hein. J'en parlerai de ce temple quand on y sera arrivé. Parce que je tiens à maintenir le suspense. Mais on s'en approche petit à petit, ça c'est clair et net. Et en attendant, on va se téléporter. Ça, je crois que t'étais là. Dans le dernier épisode où je t'ai invité, on avait appris le champ qui permettait de se téléporter justement. Sûrement. Je me rappelle qu'on avait soulevé un gros temple de l'eau. Oui, mais c'était le premier, lui. Le premier du jeu. Dans les marais. Ouais. Ah oui, voilà. Oui. Donc après, je vais continuer le deuxième dans la montagne, le troisième dans l'océan, et lui, c'est le quatrième dans, en gros, une vallée désertique. C'est un peu ça. Et là, tu choisis où tu veux te téléporter, en fait. Oui, c'est ça. Oui, c'est les quatre points cardinaux, en gros. Normal. On voit qu'en haut, c'est la montagne, à gauche, c'est l'océan. Voilà, quoi. Donc on ouais. Va là, hein, la vallée d'Ikana évidemment. Je sais pas si t'as vu, j'ai un masque bizarre là sur moi. Ouais, je sais pas ce que c'est. C'est le masque de la momie. C'est-à-dire? Bah, c'est trop bien en fait, quand tu le portes, les momies, elles ne t'attaquent plus mais elles dansent. D'accord. C'est what the fuck, mais c'est trop classe. Oui, écoute, c'est Zelda hein. Oui, c'est vrai. Oh, une fée. Cette fois, on la rate pas les aminches. Ouais. En effet, si tu sais pas, ça redonne de la vie quand t'es sur le point de crever, on la capture. Hey, oh, non, viens. Oh. Voilà. Oh non. Arrête, j'en ai besoin. Voilà. Ah, avec cette musique, ouais. Tellement classe. Voilà, donc t'as vu, c'est assez. Je sais pas si tu vois bien, c'est assez lugubre comme endroit. Il y a des trucs ouais. Morts, il y a deux crânes qui volent ici. C'est des crânes? Ouais, c'est des crânes bizarres, flippants, qui sont entourés d'un feu bleu. J'ai peur, Viniz. Ouais, c'est flippant. Et donc voilà, donc on va continuer. On va les tuer d'ailleurs.
Oui, je pense que c'est ça. Oula. Je suis lent. T'as combien de masques là? T'as qu'à compter, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Oh, tu 8, vas le faire. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, je crois. En sachant qu'il y en a 24. Donc, Oh, t'es large. Ouais, franchement, on se rapproche de plus en plus de la fin. Oh, pour Ouais. ceux qui connaissent pas le jeu, vous allez probablement ne pas comprendre ce qui se passe à la fin, mais bon, on n'est pas encore là, mais c'est en ça que ce jeu est trop bien. Je vais rien dire, évidemment. C'est vraiment super. Bien sûr. Ouais, toi tu comprends pas, évidemment. Hé. Tiens, qui est-il dans cette maison? On n'y a pas été. Oh, tiens. J'ai jamais été là. Ah, Oh. mais oui, si, c'est la fontaine des fées. Voilà, donc, c'est là où il faudra rendre les fées à la fin du temple. Donc, c'est pas encore. On va pouvoir sortir de là déjà. Ouais, je pense. Sinon, est-ce que cette fois on pourrait parler justement de. Ouais, mais non, non, ce sera une. Non. Ah, j'ai vraiment envie d'en parler alors qu'il y aurait une vidéo T'as envie spéciale d'en pour ça. parler, hein? Oui, tu sais, de l'avenir de nos. Non! Oui, tu vas mûrir. Il m'a touché. Voilà, regarde ce que c'est écrit. Vous avez été maudit, vous ne pouvez plus utiliser votre épée. Voilà, c'est horrible. Ah, prends l'arc. Quand les. Voilà, oui. Quand les crânes te touchent, tu peux plus utiliser ton épée, mais genre pendant 10 minutes. C'est horrible. Ouais. Enfin, non, pas 10 minutes, mais c'est long. Ouais, je pense. Alors voilà, c'est là qu'on va cette fois parce que bon, on avait fait à peu près le tour de la zone. Hein. Après avoir récupéré le bouclier miroir et avoir appris l'hymne du vide, c'est ici la nouvelle zone où il faut qu'on aille justement. Et cette zone, c'est la forteresse de pierre. Et voilà, ça, c'est le dernier temple. Ah, c'est parfait. Du coup, tu veux pas en parler de la petite surprise? Non, bah, je sais pas, parce que c'est en quelque sorte l'avenir de séries à plusieurs, bah, notamment juste nous deux, Oui. sur Minecraft, mais je sais pas si. Non. Tu penses que c'est mieux dans un épisode exprès pour ça? Moi, je pense qu'il faut quand même garder la surprise que, en fait, refaire une série, mais à la nouvelle année. Oui, d'accord, oui, bah oui, On peut juste juste après. dire ça. Hein. Juste après les vacances. Oui, en tout cas, il y aura du changement et du nouveau. Ça, c'est bien. Ouais, pour ta part. Oui. Ouais, mais. Ouais, c'est vrai. Mais puis, on va dire aussi qu'il va y avoir plus de contenu sur un jeu qui, à mon avis, n'a pas été assez fait sur nos deux chaînes. C'est vrai. Ouais. Ouais, on l'a déjà fait ensemble. Oui, mais. Et on n'avait pas fait d'autres choses à venir. Voilà, c'est ça. Alors qu'il y a beaucoup plus de possibilités de faire des trucs dessus. Voilà. Alors là, je m'arrête un peu sur ce qui nous attend parce que, en fait, comme tu peux le voir, et puis aussi les gens, c'est faut monter tout en haut. Et waouh, une chauve-souris! Dégage! Oh. Bitch. Voilà. Je l'ai tué à l'arc, je sais pas si t'as vu. Oh, un cœur! Non, ne t'en veux pas. Ok, tant pis, il est Vas-y, tombé. saute. Je ne veux pas, non. Et donc là, cette zone, c'est super saoulant la première fois parce que pour monter tout en haut, bah, c'est pas facile. Voilà, c'est tout un Tu vas système de bien y arriver. blocs. Oui, je vais y arriver, c'est pas un Oui, hop, problème, quoi. c'est un C'est cure-dent le important. bordel. C'est ça, c'est cool. Et puis on parle de moi, surtout. Ouais. Honte. Alors. T'es en facile là? Y a pas de mode de difficulté. Ouais, mais t'es en facile. Ouais. Ce n'est pas facile. Oh, genre! T'es fait troller. Oui, je me fais troller par la pierre. C'était T'as horrible. dit non? Oui aussi, où j'ai fait un nom un peu bizarre. Hop. Oh, parfait. C'était joli. Je sais pas si t'as vu. Ah, ça. Ça, c'est un ennemi qui est dans Ocarina of Time et qu'on voit que maintenant dans le jeu. Ça nous tire des lasers s'il nous voit. Bon, heureusement il nous a pas vu. Ouais, je sais pas. Oui, c'est bien. Enfin, c'était bizarre parce qu'on était à côté pourtant, mais il faut être plus près Ouais, en fait. carrément. Oui, il faut vraiment être plus près. En fait, ils sont aveugles, c'est un peu ça. Alors. Non, t'as pas un masque qui te permet de faire voler? Non? De faire voler? De voler? Ouais, de De te faire voler? voler. Ah, non. Ah, Ce y a serait trop pas là, classe. hein. Ouais, ce serait classe. Attends, il y a déjà des masques cool, genre celui qui te rend invisible à tous les ennemis. Oh, là, c'est cheaté. Ouais. Mais en plus, t'es pas invisible en fait. C'est juste que tu portes un masque qui est tellement insignifiant qu'ils te voient pas. D'accord. C'est le masque de la pierre en fait. Ils te prennent pour une pierre, une
vraie pierre. D'accord. Une pierre qui bouge. Regarde la gueule du masque en plus, c'est tout sauf une pierre, quoi, c'est ça. C'est-à-dire, c'est tu mets ça, et t'es... Attends, y a pas une vue classe qu'on peut avoir. T'es invisible. Voilà, quoi. Tu mets ça et t'es invisible. T'es vraiment une gueule de con avec. Hein. Oui, c'est ça, t'as un œil qui est genre 10 fois plus gros que... Ouais. Que l'autre. Ah, c'est moi où on entend les cloches qui sonnent. Je crois bien, ça veut dire que c'est le début du deuxième jour. Parce que tu sais que c'est t'as 3 jours pour finir le jeu. Ah ouais, enfin t'as 3 jours. Oui, pas 3 t'as... vrais jours. T'as 17 jours au moins. Pourquoi 17? Bah parce que à chaque fois tu reviens avant. Ah oui, au final oui, on doit avoir un, on doit avoir un mois. Combien de jours, on doit avoir un mois pour finir le jeu au final. Oui, c'est bon. Ah voilà, et là je crois qu'on arrive au stade où si on s'enlève de l'interrupteur, voilà, le bloc revient en pose normale. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire apparaître Ben. Bah oui. L'oncle Ben. Voilà, l'oncle Ben. Allez, viens là, l'oncle Ben. Parce que comme ça, vu que c'est une statue, elle sera sur l'interrupteur et nous on pourra passer. Allez, donc l'hymne du vide, je me rappelle même plus. Attends, c'est quoi? Oh le nul. Voilà. Ouais, oui, c'est vrai que t'as pas le son, toi, c'est un peu dommage. Wow. Aussi, si vous avez vu les vidéos qui. Ça commence à se faire vieux, je crois qu'elles sont toujours. Elles font partie de mes plus vieilles vidéos avec Axiom. On avait fait une saison sur Minecraft bien débutée, je crois. Et dedans, on vous conseillait d'aller voir la chaîne d'un youtubeur qui faisait des musiques a cappella qui s'appelait Smooth McGroove. Je sais pas si toi aussi je t'en ai déjà parlé. Je crois que je connais. C'est un barbu, non? Oui, c'est ça, un barbu avec les mêmes cheveux que Jésus-Christ. Et c'est tellement glace. Et ben il a fait la musique qu'on entend dans cette zone aussi, qui est extrêmement connue. C'est une des musiques plus connues de ce Zelda. Et voilà, c'est pour voir. Donc si vous aimez bien ce genre de truc, allez aussi sur sa chaîne. C'est bizarre, je fais de la pub pour un Américain. Quoi. Vous êtes remercié, les gars, non? Oh, il en a un peu rien à foutre, je pense, il regarde pas les chaînes insignifiantes. Où est-ce qu'il faut aller? Ah. Aube du deuxième jour, 48 heures restantes. Ça va, t'es là. Ouais, ça va. Surtout que j'ai ralenti le temps, donc c'est plus... What? Je suis où, là? Ah non, je ne comprends pas. Ah, c'est bon. Non, c'est l'oncle pas... Ben est parti. Mais que se passe-t-il? Ben, il est parti. Ah oui, bah oui, c'est trop bizarre, oui. Bah on va le refaire. Hein. Reviens. Le Ben. C'est tellement parfait ce titre, merci encore. Oh là là. Sans le vouloir, hein. Et oui. Bah sinon, j'aurais appelé cet épisode un truc genre l'ascension de la forteresse de pierre. Donc tu vois, ça fait... C'est un peu long. Ouais, puis c'est un peu long, oui, surtout. Ah, tellement classe. Enfin, classe. Ouais. Oui, voilà. Vite fait, on va dire. Tellement vite fait. Que là, on peut l'atteindre. Mais oui, large. Parce qu'en fait, le grappin dans ce jeu, il est hyper cheaté aussi. Il a une portée de dingue. Ouais, mais non, on peut pas. Oh merde, putain. Bah, saute en l'air et tu le prends. Alors, là, je suis un peu coincé, les amanches. Faut que j'arrête avec ce. Tu dois pas enlever la statue pour que tu descendes? Bah non, c'est pas une histoire de tu la mets, tu l'enlèves, en fait elle est censée rester là. Par contre... Mais faut que tu fasses monter l'autre. Ah, je crois que c'était ça, ouais. Faut que j'en fasse monter une deuxième. Oui, il y a une chauve-souris qui est pas loin. Faut redescendre. Là où il y a le truc qui est censé tirer un laser s'il me voit. Il est censé. Ouais. Bah attends, regarde, je vais te montrer, si on est trop près, ça fait ça. Ok. T'as le masque, là, non? Non, j'ai même pas le masque. Bon, attends, là ça devrait marcher. Ah, et voilà. Ouais, vous vraiment être con, quoi. Tu vois. Ah, ouais, par contre, après il vise de loin. Ok. Ah, tu es. Non, ça craint les bombes. Voilà. Hop, donc à mon avis, faut aussi faire une statue là-dessus. Parce que ce qui est bien, c'est qu'on peut faire une statue avec chaque forme de Link. Ah bon? Oui, parce que si il peut se transformer en Mojo là que t'avais vu quand je t'avais invité, un petit truc. Oui, je m'en rappelle. En Goron et en Zora. Donc on va faire une statue de Goron. Mais elles font moins flipper que la statue de Ben, hein, évidemment. Donc
C'est parti. T'as vu, c'est un tambour au lieu de d'une flûte, d'un ocarina. Mais pourquoi? Bah, je Ah, sais c'est pour les pas. Gorons, d'accord. Voilà, oui, c'est l'instrument des gonds. Et le Zora, c'est une guitare. Ah. C'est trop classe. Bah, ça fait que voilà, on va voir la statue du Goron, quoi elle ressemble, parce qu'on l'avait pas vue dans le dernier épisode. On s'est arrêté devant l'oncle Ben. Ça doit être moche, quoi. Bah, ça fait aussi un peu flipper. C'est quoi ce truc? Oui, c'était son bide. Wow! On dirait Super Musclor, tu vois. Oui, c'est ça, oui, c'est un peu un muscle. Voilà, on la voit, là. Je sais pas si tu la vois bien. Tu sais, il écarte les bras, il fait. Ouais, c'est ça, c'est Avec une exactement. grosse. Une grosse Tra... Enfin, cicatrice sur le voilà, ventre. cicatrice sur le ventre. Ouais, et il a les yeux blancs aussi. Putain, c'est Les cheveux flippant. aussi. Oui, bon, ça. Ah, mais non, faut que je descende encore plus bas en fait. Il y avait trois interrupteurs activés. Oh là 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 là. Oh là là là. Ouais. Aïe! Oh le Je suis mauvais. nul. Ouais, là, j'avoue, je suis mauvais. Ça Donc. va, t'as encore des points. Ouais, voilà, tu Enfin, des vois. points. Des cœurs. Ça a Des monté les cœurs. trois blocs. C'est plutôt cool. Tu vas nous faire qui là? Bah, le Zora, c'est le dernier. Bah, en fait, celle du Mojo, la statue est pas assez lourde pour, pour appuyer sur l'interrupteur. C'est trop bizarre. Ah d'accord. Ouais, c'est trop. Là c'est de la guitare. Enfin de la... Je sais pas quoi là. Ouais, si c'est de la guitare, c'est juste qu'elle est bizarre. On dirait qu'elle est en squelette. Oui Ça voilà, fait en un peu os. flipper, quoi. Ouais, en os, voilà, c'est ça. Ah, et on va voir la statue de Zora, donc. Sera pareil quoi. Elle est aussi un peu flippante. Ah oui, mais plus que flippant. Là. Ça va, je vous. Oui, qu'elle est en Avec train de les se yeux. faire étrangler là. C'est ça. Oh. Non, non, pas ce bruit, s'il te plaît. Le gars, il l'a déjà fait l'épisode précédent, c'est sur Lego. Il m'embête avec ça, les gens, il m'embête, mon Dieu. J'aime bien le taquiner. Oui, moi j'aime pas. Je te taquine. Arc, arc, arc. C'est dans quoi C'est ça? quoi ça? Ça me dit rien. Si, si, c'est dans un film, je sais plus. Waouh. Normal. Ok, je suis passé alors que tout à l'heure elle m'avait trollé, je sais pas si tu te rappelles. C'est bizarre. Ah, c'est. Je sais qui c'est. C'est qui? C'est dans un sketch de Kev Adams. C'est quand Ah il fait le prof d'allemand. ouais, je crois que j'avais vu. Ça m'a dit quelque chose. Bonjour, mon petit Kinder. Kinder? Oui, il Wow! appelle. Ouh, j'ai chaud. Alors, on ferait mieux de mettre le masque du lapin. Ah, vous voyez à quel point c'est galère toute cette zone pour rien que monter et atteindre un temple. C'est dingue. Et il nous reste encore. Bah, c'est là en fait. Ouh, ça. Et oui. Et puis cette musique est tellement bien. J'arrive à la faire au piano aussi. Le mec il se la pète pas. Du coup Alors. là, si t'appuies dessus, ça va monter encore les trucs, je pense. Bah, je Et sais ça va pas faire ce un escalier. que. Ça va les monter, mais ça va pas faire un escalier. Mais en plus, il y en a plein. Je sais pas lequel est le bon. T'appuies sur tout. D'accord, Ou il y en les a un trois en qui même marche. temps. Peut-être. Non, non, ça. Non, non, bah. Non, je pense qu'il sert à rien. Faut continuer à monter là où on peut. Ah ouais. Ah, là, il y en a un. On va voir s'il fait quelque chose, lui. Oula. C'était servi à quoi? Je sais pas. Je sais pas s'il est important. Au cas où, oui, on va faire Ben. Normalement, il est important. Hein. Ouais, mais il a pas trop bougé en fait, donc c'est pour ça, je sais pas trop. Et c'est marrant parce que tu vois le style, le dernier épisode que je t'ai invité, on avait fait découvrir le temple, tu te rappelles, qui était sorti de l'eau. Oui. Et donc j'avais dit justement, ah, on fera le temple dans l'épisode prochain. Et ben là, c'est exactement pareil en fait. On fait le truc juste avant le temple et à la fin, je vais dire, et bah, la prochaine fois, on fera le temple. Ah. C'est plutôt pas mal en fait, je t'invite dans les épisodes avant les gros trucs hard. Tu te prépares. C'est ça, c'est exactement ça. Surtout que là, ouais, mais alors, pour du hard, ça va être du hard. Oh mon Dieu. Mais non. Non mais, j'ai pas peur, je suis excité. Comme quand je regarde quelqu'un de féminin. Très efféminé. Ah, un nouveau mec avec des lasers. On va le Tu tuer. crois qu'il t'a vu? Ah, non, non, pas encore. Regarde, il y a aussi un masque qui permet d'exploser. Qui fait office d'une bombe, c'est celui-là. Regarde. Et Ça va, voilà. ils ont pas trop peiné le masque. T'as vu, c'est trop bien, hein. Chaque masque a des pouvoirs cool. Non, mais t'as vu le masque, c'était juste une bombe quoi. Oui, bah, c'est le masque de la bombe. Hein. C'est-à-dire, ils vont pas faire un truc hyper original. Ouais, mais je sais pas, c'était juste le truc. C'était Attends. moche.
Oui, bah c'est tout. Et après, en sachant qu'il y a des masques qui servent à rien, genre celui-là. Regarde, on Ouais, ressemble à un c'est juste porc. l'histoire d'avoir. Voilà, on est un cochon. On pourrait jouer dans Amnesia. Voilà. C'est ça. Mais il sert à rien en plus. C'est Ouais, bizarre. c'est juste l'histoire d'avoir les 24, quoi. Oui, c'est exactement ça. Enfin non, ils servent tous, mais il y en a certains l'utilité, mais allez, mais alors. Débile. C'est ça, c'est quasiment. Du coup, t'as pas appuyé sur le bouton là? T'es sûr? Oui. Ah, j'étais occupé à tuer l'autre. Oh putain, Voilà. heureusement que t'es là. Ah ouais, là je pense que c'est important ça. Tu crois? Quoique. What? Ça en bouge deux. Ouais. Non, mais t'inquiète. Ah oui, c'est important. Ah, Alors, voilà. attends, on avait fait Ben la dernière fois. Oui. Donc là, faut que je fasse On un fait truc. le gros. Ouais, le gourou. Yeah. Hop. J'ai aussi un masque qui permet de parler au squelette. Il y en a un, c'est pour les momies, l'autre le squelette. Ouais, c'est trop C'est classe. n'importe quoi, je veux en fait. Non, c'est trop bien, il y a plein de masques, c'est trop classe. D'où le titre. Eh oui, Majora's Mask. Même si Majora's Mask. En fait, le masque de Majora, si on l'avait dans le jeu, ce serait encore plus cheaté, parce que c'est le plus puissant de tous. Mais évidemment, il faut que ce soit le méchant qui l'a, c'est pas drôle. Bah oui. Eh oui, eh oui. D'ailleurs, avis à tous ceux qui ne savent pas encore, ce jeu va avoir un remake sur 3DS, donc c'est plutôt cool. Ce n'est pas un simple portage, hein, c'est littéralement un remake. Ils vont améliorer des choses, et ils ont bien dit qu'ils vont maintenir l'aspect effrayant que le jeu d'origine avait. Et donc, franchement, j'ai hâte. Vont améliorer les graphismes, quoi. Ah ouais, ils vont clairement améliorer les graphismes. Comme je sais pas quoi là, Winmaker Waker. HD, ouais. Ouais, Winmaker voilà. HD, que Siphonno avait fait. D'ailleurs, allez voir ça. Ouais, pourquoi pas, le gars, tu sais, je pense pas qu'il y a besoin de faire de la pub pour lui, mais bon. Ah là là. Toutes ces personnalités. Ouais, bah voilà, donc c'était bien ça. Oula, non, pas du tout. Non! Non! T'es mauvais ou comment ça se passe? Non! Non, t'as vu tout ce que je suis tombé? Je suis retombé au début. Ouais, j'ai vu. Oh putain! Bon, je crois qu'on va faire une petite ellipse. Ah, vas-y, hein, parce que là. On va faire une petite ellipse et on se reprend à peu près à l'endroit où on en était. Mon dieu, quel Allez. fail horrible. Allez, à tout de suite. Eh bien, re tout le monde! On se reprend donc là bah, où j'étais tombé avec ce fail monumental. C'était plutôt drôle. Et c'était pas si loin que ça en fait. On n'était Ouais, pas en fait, tombé si bas. t'avais juste à remonter. Oui, voilà. Ah, on arrive à voir un peu mieux le temple là, je sais pas si tu le vois. Ouais, il est bien, bien On beau. dirait un visage. Ouais, bah je crois que c'est un peu ça le but. Ouais. Donc là, on fait la statue de Zora. Ce que j'avais oublié, en fait, c'est les boutons. J'oublie d'appuyer dessus des fois. T'as vu d'ailleurs le Zora, c'est trop bizarre. Parce que son bonnet, c'est sa tête. Je sais pas si tu vois. C'est vrai, ouais. Enfin, le bout est vert en fait et ça se fond dans sa tête. C'est trop bizarre. Ouais, c'est voilà quoi. C'est trop bizarre. C'est Zelda, hein, j'ai envie de dire. Ouais, c'est vrai. Bon, tu sais, il y a d'autres jeux, what the fuck. Hein. Ouais, mais Zelda. Ouais, mais Saints Row. Tu veux qu'on en parle? J'adore les gens qui disent ça. Tu veux qu'on en parle? On parle de Saints Row. C'est Ouais, vrai que excellent. c'est un jeu what the fuck, hein. Mais tellement drôle. C'est quelque chose d'extraordinaire. Du coup, pourquoi t'as fait une statue là? Bah parce que je sais pas si t'as vu mais si j'ai sauté c'est parce que il me manquait une plateforme en fait. Il y avait un bouton là? Oui, je l'avais pas vu. Y a pas de bouton là. Voilà, je suis pas doué. Donc tu vois, moi j'étais là sur cette plateforme là où je suis et il n'y avait pas celle d'en face et j'ai Ouais. sauté quand même. Donc là c'est bon, cette fois c'est bon. Tu t'es dit, oh, large. Voilà, c'est ça, alors qu'en fait il y avait genre un trou de 5 mètres. Le truc c'est. Ouah, finalement l'épisode s'éternise, c'est trop bien. Enfin, s'éternise. Il est beaucoup plus long que ce que je pensais. Oh, regarde! Je sais pas si tu vois, on voit des momies là. Les Des trucs marrants. momies. Trois trucs marrants. Ouais, tu vois. C'est ça où quand tu mets le masque. Enfin, des momies, c'est des effrois. C'est ça où quand tu mets le masque de la momie, ils se mettent à danser. Danser, ouais. C'est tellement classe. Ils dansent des danses russes même. Enfin, c'est trop bien. Ils dansent le gala russe. En plus.
Et le boss de fin, tu vas être mort de rire. Il fait Michael Jackson. Ah bon? Il fait le moonwalk? Il fait le moonwalk. C'est n'importe là, quoi. Là t'as le droit de dire que c'est des what the fuck. Oh, j'ai bien visé. Il fait du moonwalk. Je suis désolé les gens, s'il y en a qui connaissent pas, mais je pense pas trop, hein, c'est pas un spoil énorme au pire. Ouais, mais il fait du moonwalk, c'est trop bien. Mais c'est bizarre. Oui, c'est trop bien, c'est trop. Je sais pas s'ils ont fait exprès, hein. Bah, je pense que si, en fait il fait pas que cette danse là, il fait le gala russe, il fait la danse, il fait le ballet, tu sais, des filles là qui... Enfin la danse des danseuses étoiles. Il fait le moonwalk. Ah oui. Et puis voilà, il fait quelques danses plutôt pas mal. Ouais, fait, il danse sur un pied quoi. C'est ça. Le bout voilà, du il pied, danse quoi. Sur un pied, tu sais, il tient l'autre dans ses deux bras, là, dans ses deux mains, tu sais, tout en haut. Enfin, c'est comme les danses des filles. Quoi. Oui. Et bah voilà, il fait plein de danses, c'est trop bizarre. Et c'est trop drôle. Et le moonwalk, il le fait à une vitesse. Oh là 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 là. C'est dingue. Bon, oui, on va pas s'éterniser là-dessus non plus. Oui, ouais. On va continuer à grimper. C'est quoi la phrase dans Fort Boyard de Olivier Mine à la fin? Toujours plus loin, toujours plus fort. Non, attends. Non, toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus fort. On va pas dire plus parce que tu vas te prendre des copyrights. Oui, c'est vrai. Non, je ne veux pas. Avec l'oncle Ben. Ouais, l'oncle Ben. Le Ben, c'est quoi ça déjà? Enfin, les musiques. Les musiques de quoi? Mais je crois qu'il y a. Mais c'est une pub pour le riz. Non, mais il y a aussi une musique. Enfin, non, c'est Uncle Ben, c'est pour le riz. Non! Tu feras gaffe, tu tombes. Attends, je suis où là? Non, il saute de ma gueule. Oh putain. Oh. Bon. Oh putain. Oh putain, en plus il faut que je redescende. Moi je pense qu'il y a encore une ellipse. Hein. Oui, encore. Oh merde. Attends. Alors j'appelle cet épisode comment? Épisode Fail et Rage? Épisode Oncle Ben? Je commence à en avoir marre moi. Putain. Mais c'était à cause de la chauve-souris, t'as bien vu? Oui, j'ai vu, elle t'a enflammé et t'a reculé. Oh bah elle m'a projeté en fait. Oh la salope. J'ai rien touché, c'est. Pardon pour le juron. c'est elle qui m'a jeté. Bon, ok, une nouvelle ellipse, la dernière j'espère, sinon je pète un câble. Hein. Oh putain. Bon, allez, à tout de suite. Allez, à tout de suite. Heureux tout le monde pour la seconde fois. Eh oui, deux fois. Espérons la dernière. C'était vraiment chiant. Surtout qu'il y avait des bugs bizarres en fait. Genre, la statue elle faisait pas office d'appui sur le bouton. Donc ça marchait pas. Ah, voilà. On arrive enfin en haut, j'ai envie de dire. Il y a la statue de Hibou, on prend la frappe. Du coup, maintenant tu peux te TP dessus. Ouais, c'est ça, c'est bien, tu te souviens. Oh, une autre fée. Vas-y, prends la fée. Yeah! En fait, on est un kidnappeur de fées. Ta-da-da-da. Et ouais. C'est plutôt cool. Oui. Donc, on casse ça. Voilà, et là, les trois derniers boutons qui sont là, ceux-là, c'est les plus... Enfin, c'est pas les plus chiants, mais il faut les faire dans un bon ordre. On voit le temple en face, donc il est vraiment imposant, ouais. En fait. Un plus qu'imposant, là. Et ouais, il est vraiment classe. Donc, je crois que c'est celui de droite au début. Ouais, je crois que c'est le bon. Donc, on va faire Ben pour la dernière fois. J'espère. Ouais, j'avoue. Et on sera bientôt à 30 minutes, donc voilà, un épisode relativement normal, on va dire. Oui. Avec la compagnie de notre dictionnaire, hein. Notre petite dick. Ah voilà, tu vois, ça marche pas. De quoi? Bah, ça a remis la plateforme où elle était, alors que j'ai fait la statue. Tu vois, elle est... Putain, c'est trop bizarre. Bah, prends-le pas. Ça se trouve, j'ai le jeu hanté, moi aussi. Ah bon. Là, tu vas prendre un skimmer, on va faire. Non, j'ai pas envie. Attends. L'histoire de Ben, elles font flipper, hein, j'ai vu les vidéos. Mais non.
d'accord, si tu le dis. Toujours à me contredire, le mec. Mais non. Mais non. Quoi? Mais... Attends, mais ça avait marché, alors? Putain, je comprends que dalle. Mais t'es nul, en fait. Oui, je crois que c'est ça. Oui, ça avait marché, en fait. Ok, donc j'y refais une troisième fois, parce que je suis... Allez, soyons fous. Parce que je suis con. Concentré. Ouais, comme le lait. C'est drôle, hein. Je sais pas. Tu sais ce que c'est, du lait concentré? Oui. C'est bien. Ah, voilà, ça marche. Donc maintenant, Goron et Zora, et ça sera bon. Là, est-ce que c'est gauche ou milieu? Je sais plus. On va dire que c'est celui-là. Oui, c'est celui-là. C'est quoi? De quoi? Un truc rouge. Ah, ça, ça aura une importance après. Je vais pas le dire. Je le dirai dans l'épisode prochain. Quand toi, tu seras plus là. D'accord, normal. Non, mais c'est vrai, il faut que ça soit. Enfin, faut que ça se sache à un moment donné. À un moment précis, ce que c'est, ce bouton. Ok. Je te le dirai en cours. Voilà. On fera ça. Oh là là. Donc, en espérant que là ça marche sur ce bouton. What? Ah oui, ça marchait, parce qu'en fait ça les enlève un à un. Et donc le troisième. Voilà. Et ça nous trace le chemin jusqu'au temple. On pose la statue. Fais-nous du djembé. Ouais. Des djembé. Il y en a combien d'ailleurs? Il y en a 5. Plutôt pas mal. J'en vois 4. Non, il y en a 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, il y en a 5. Tu vois où le cinquième? Bah, je sais pas, ça se voit, regarde. Je sais pas, j'en compte 4 là, je sais pas. Bah, ceux à gauche, les deux à gauche, ils sont à peu près les uns dans les. Enfin, ils sont. Ouais, non, non. On en voit 5. Bah, tu verras dans la vidéo, ou je sais pas quoi. Alors voilà, bon, on a perdu vraiment beaucoup de cœur. C'est épouvantable. Et oh, moi je dis, on va s'arrêter avec une pause plutôt pas mal pour avoir une belle vue sur le temple. Eh, vas-y, prends-nous ton grappin. Ouais, on va s'arrêter au sommet de ça. Non, mais si tu veux bien monter, en fait. Il a pas envie. C'est bon. Non, ça marche pas. Vas-y, saute. Non, je ne veux pas. Bon, bah tant pis. Tant pis, on va s'arrêter comme ça. Là. Hop. Non, comme ça. Non. Je n'arrive pas à voir le. Voilà, là c'est bien. Et ben voilà, après cet épisode. Ouais, tu vas te faire manger. Manger par quoi? Oui, c'est vrai, on dirait qu'il va me bouffer. C'est bien. En plus, il y a des flammes dans les yeux. Ouais. C'est bizarre. Donc, je disais quoi? Oui, après cet épisode Fail et Oncle Ben et tout ça. Et bien, on va s'arrêter là. J'espère qu'il vous aura plu. En compagnie bah, de Dixios. Hein, voilà. Mon avis, ça aura été la dernière fois dans ce let's play. Et oui. Ça aurait été bien cool, en tout cas, de faire cet épisode en ta compagnie, une fois de plus. Bah, de même. Bah, merci. Merci beaucoup. Et donc voilà, donc si cet épisode vous a plu, parce que je bafouille, n'hésitez pas à laisser un pouce rouge encore. Et non, arrête, faut vraiment que j'arrête de dire ça, ça se trouve ils vont laisser. Ils vont se dire, ah, ça se trouve il aime les pouces rouges, chacun. Allez, soyons fous. Chacun son style, hein. Non, 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 un pouce bleu évidemment. Je préférais avant quand c'était vert. Ouais, c'est vrai. C'était mieux vert. C'était mieux vert et rouge. Ouais. Bon, bah, laissez un pouce positif. Et voilà. N'hésitez pas à mettre un commentaire, à aller voir la chaîne de Dixios, c'est une obligation limite. Donc, voilà. Si je maîtrisais la force, je vous persuaderais tous d'aller la voir. Genre, allez voir la chaîne de Dixios. Allez voir la chaîne de Dixios. Allez voir la. Bon, allez, ça suffit. Voilà, voilà. Et toi, petit mot de fin à dire? Je dirais Michael Jackson, voilà. Ok, Michael Jackson, trop cool. Deux mots de fin, enfin un nom de fin. Moi je dirais. Walk. Ouais, je voulais le dire, putain. Jackson Michael. Jackson, ok, Jackson Michael Moonwalk. Voilà, et eh bien c'est sur ces mots de Michael Jackson, et donc de mort, et donc de noir et blanc. Bon, on va pas trop polémiquer là-dessus. De gris. Oui, de gris, quoi. Voilà. On va s'arrêter là, donc on se retrouve la prochaine fois pour le 30e. Parfait. Épisode de notre Let's Play sur Zelda Majora's Mask. Allez, salut tout le monde et à la prochaine.
À la prochaine. Au revoir, Nixios. Au revoir, Vinny.